انا لست صوفيا اطوف بقبه انا لست ممن يدخل القبر مسجدي ولست يهوديا ولست برافضي والرافضي في الاصل كالمتهود انا لست تكفيري ولست بخارجي Je pense qu'on a toutes les communautés aujourd'hui, on a besoin d'apprendre à discuter, à se découvrir, à faire tomber des barrières. Et aujourd'hui, on a une, une opportunité formidable c'est qu'on vit en France et en fait, on a l'opportunité ensemble, euh, musulmans, juifs, chrétiens, athées, bouddhistes, euh, laïcs, extrémistes, si vous voulez, on a la possibilité en fait ensemble de construire une société humaine, fraternelle, dans laquelle on peut, chacun peut finalement exercer ses, ses libertés, faire valoir ses droits, mais dans le respect de l'autre. Et je pense que si on arrive à faire ça, bah, en fait, on va tous s'élever quelque part. Donc voilà en tout cas moi le message que je porte et que je voulais faire passer. Par contre, elle va à l'église, elle revient et tout. Et toi, tu as la certitude au fond de ton cœur qu'elle va aller en enfer. Je ne sais pas si. Mais ce n'est pas possible de penser comme ça. Si Dieu nous a permis de déposer ces gens-là. C'est qu'ils ne considèrent pas tous comme des coufards. C'est que pour lui, juifs, chrétiens et musulmans là-bas, c'est la même religion. Arrête d'écouter les discours qui incitent à la haine des non-musulmans, qui stigmatisent les non-musulmans avec des termes comme égarés et coufards. Non, mon frère, ce ne sont ni des mécréants ni des égarés. Ce sont tes frères. Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah qui a fait descendre le livre du discernement sur son serviteur le prophète Mohammed afin qu'il soit un avertisseur pour les gens. Louange à celui qui a distingué la lumière des ténèbres, la bonne voie de l'égarement, la foi de la mécréance, les croyants des mécréants, la voix de ceux qu'il a comblés de ses faveurs, de celles de ceux qui ont encouru sa colère et celle des égarés. Que la paix et les salutations soient sur le dernier des prophètes envoyés. Nous témoignons qu'il a transmis le message remplit son engagement et lutté pour la cause d'Allah jusqu'à que la mort l'atteigne, il nous a laissé sur une voie claire, ne s'en écarte que celui qui court à la perdition. Et Allah dit dans le Coran, selon la traduction des sens en français, C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, afin qu'il la fasse triompher sur toute autre religion, n'en déplaise aux associateurs. Nous allons traiter ensemble une question primordiale et d'une grande importance, une question qui en réalité, à la base, fait partie des choses connues chez les musulmans, au sujet desquelles il n'y a aucun doute, une question sur laquelle il y a consensus, aucune divergence, avant que des gens ne viennent semer le doute dans le cœur des croyants, par ignorance ou par hypocrisie. Quant aux ignorants, si seulement ils avaient mis en application la parole d'Allah suivante, selon les sens en français, et ne suis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, lui, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité, on sera interrogé. Et si seulement ils s'étaient rendu compte de la gravité de parler d'Allah ou de sa religion sans science, Allah dit à ce sujet, selon les sens en français, dit, c'est-à-dire dit au Mohammed, mon seigneur n'a interdit que les turpitudes apparentes et cachées, le péché, l'agression sans droit, le fait d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Et si seulement ils avaient pris le médicament de leur ignorance qui est de questionner Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit La guérison de l'ignorance est de questionner. En effet, il a été rapporté que lors d'un voyage, un homme a été blessé à la tête, puis a eu une éjaculation nocturne qui nécessite de faire le rousse, le grand lavage. Il a alors demandé à ses compagnons de voyage s'il lui était permis, dans son cas, de faire le Tayamum, les ablutions sèches. Ils lui ont répondu que cela ne lui était pas permis tant que l'eau était présente. Il s'est donc lavé et il en est mort. Lorsqu'ils sont rentrés de voyage, ils sont allés à la rencontre du prophète alayhi wa sallam, et l'ont informé de ce qui s'était passé. Le prophète alayhi wa sallam, a dit, ils l'ont tué, qu'Allah les anéantisse, pourquoi ne demandent-ils pas quand ils ne savent pas, certes, la guérison de l'ignorance est de questionner. Et Allah nous a ordonné d'interroger des gens de science lorsqu'on ignore une chose. Il dit, selon les sens en français, et demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas aux gens du rappel, aux gens de science intègres, dignes de confiance, et ne surtout pas demander aux ignorants, aux gens qui ne sont pas dignes de confiance, aux innovateurs qui cela à défaut de vous tuer par leur jugement religieux erroné affecteront votre religion. Le prophète alayhi wasallam, a dit Allah ne fait pas disparaître la science en l'enlevant des serviteurs, mais il l'a fait disparaître par la mort des savants. Et lorsqu'il ne restera plus de savants, alors les gens prendront en référence des têtes ignorantes. Ils seront interrogés et répondront sans science ils s'égareront et égareront. Rapporté par El Bukhari et Mousni. Il a dit alayhi wasallam, Puis les gens prendront en référence des têtes Ignorantes, des têtes, ils ne sont pas cachés. Ils se sont élevés et montrés aux gens, mais en réalité, ils sont ignorants. Ils sont interrogés et répondent sans science. Ils sont égarés et égarent les gens. Oh, combien nombreux sont ces gens-là de nos jours. Quant aux hypocrites, ou à ceux dont on craint pour l'hypocrisie, ceux dont le cœur est malade, rempli de doutes, il incombe aux musulmans d'y prendre garde. Allah dit à leur sujet dans la sourate des hypocrites, son essence en français. Quand tu les vois, leur apparence t'émerveille, et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Puis il dit à la fin du verset, Ce sont eux l'ennemi, prends garde à eux. Ce sont eux l'ennemi, prends garde à eux. Ils ont une belle apparence et disent de belles paroles. Et Allah dit, selon les sens en français, Est-ce que ceux qui ont une maladie au cœur pensent-ils qu'Allah ne saura jamais faire apparaître leur haine Or, si nous l'avions voulu, nous te les montrerions et tu les reconnaîtrais par leurs signes, tu les reconnaîtras par leurs paroles et Allah connaît vos actions. L'exégète, grand explicateur du Coran, Ibn Kassir, dit en explication de ces versets. Les hypocrites pensent ils qu'Allah ne dévoilera pas leurs manigances? Bien au contraire, Allah va les dévoiler et les montrer au grand jour, afin que les gens clairvoyants sachent. Puis il dit en explication de tu les, tu les reconnaîtras par leurs paroles, c'est-à-dire tu les reconnaîtras par ce qui est apparent de leurs paroles qui dévoile leur objectif. Puis Ibn Kassir, rahimahullah, rapporte une parole du compagnon Osman, radiallahu anhu, qui dit Il n'y a pas une personne qui cache une chose sans qu'Allah ne la montre sur son visage ou par des paroles irréfléchies. Voici une caractéristique de plus des hypocrites. Ils disent des paroles sans en mesurer la portée, mais qui ne sont en réalité que le reflet de ce que leur cœur cachait. Et Allah dit, selon les en français, oh « Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés les Juifs et les Chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres, et celui qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide pas le peuple des injustes. Tu verras d'ailleurs que ceux qui ont une maladie au cœur, c'est-à-dire les hypocrites, se précipitent vers eux et disent Nous craignons qu'un revers de fortune ne nous frappe. Et certes, Allah fera venir la victoire ou un ordre émanant de lui alors ceux-là regretteront leurs pensées secrètes. Et aujourd'hui également, certains, par ignorance ou par hypocrisie, sont allés jusqu'à dire que les chrétiens et les juifs ne sont pas mécréants que nous serions tous frères que nos religions sont toutes abrahamiques. C'est-à-dire qu'elles ont toutes une même source, qu'elles proviennent du même messager Ibrahim. Voici une de leurs graves paroles irréfléchies. Ne leur a pas suffi de mentir sur la religion d'Allah. Il leur a fallu mentir aussi sur son bien-aimé, le messager Ibrahim. -salam. Quelle parole éhontée qui sort de leur bouche! Il ne profère que des mensonges. Allah dit dans le Coran ⁇ wala Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était purement monothéiste et il n'était pas du nombre des associateurs. Une réfutation d'Allah dans son dernier livre révélé au sujet de ce mensonge proféré par les ignorants, les hypocrites et les égarés. Notre prophète Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais plutôt il était purement monothéiste et n'était pas un associateur. En effet, les juifs et les chrétiens sont des associateurs, des idolâtres, comme Allah les a décrits en disant, selon les sens en français. Les juifs ont dit Uzaïr est le fils d'Allah. Et les chrétiens ont dit « Le Messie est le fils d'Allah ». Ceci est leur paroles provenant de leur bouche. Ils répètent ainsi les paroles des mécréants d'avant eux qu'Allah les anéantisse. Comment s'écartent-ils C'est-à-dire de la vérité. Ils ont pris leur rabbin et leurs dévots ainsi que le Messie fils de Marie comme seigneur en dehors d'Allah. Alors qu'on ne leur a ordonné que d'adorer un Dieu unique. « La ilaha illa Pas de divinité mérite d'être adorée en dehors de lui ». Gloire et pureté à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Pureté à lui, il est au-dessus de leur associationnisme et de leur idolâtrie. Allah a clairement exposé que les Juifs et les chrétiens commettent l'associationnisme, qui est le pire des péchés, le fait de vouer une adoration, quelle qu'elle soit, à autre qu'Allah, qu'il s'agisse d'un ange rapproché ou d'un prophète envoyé. Allah dit à ce sujet, selon les sens en français, Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Et Allah dit, selon les sens, A certes, mes ceux qui ont dit Allah, c'est le fils de Marie. A certes, mes ce sont donc des mécréants. Écoutez la suite du verset. Alors que le Messie a dit Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur, et le vôtre, quiconque associe à Allah. Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu, et les injustes n'auront aucun secoureur. Le Messie, Isa, Jésus, fils de Marie, a appelé les enfants d'Israël à l'adoration d'un Dieu unique. Et il se désavouera le jour du jugement de ceux qui l'ont pris, lui et sa mère, comme divinité en dehors d'Allah, ainsi que de ceux qui ont dit qu'il est le Fils d'Allah, ainsi que de ceux qui ont dit qu'il est Allah lui-même, ainsi que de ceux qui ont dit. Qu'il est un parmi trois, c'est-à-dire la Trinité. Allah nous relate cette conversation qui aura lieu le jour du jugement entre lui et son prophète Isa, Jésus, le Messie-Fils de Marie. Le moment où Allah dira Ô oh Isa, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens prenez-moi ainsi que ma mère pour divinité en dehors d'Allah Il dira Gloire et pureté à toi. Il ne me convient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Certes, tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es certes le grand connaisseur de ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Voici le prêche de tous les messagers. Du premier, Noé. En passant par Abraham, Moïse, Jésus, jusqu'à Mohammed, alayhi wasallam, le sceau des messagers. Tous ont appelé au tawhid, au monothéisme pur. Et ils ont tous mis en garde contre le shirk, l'associationnisme. Et Allah dit selon les sens en français Nous avons certes envoyé à chaque communauté un messager afin qu'il leur dise Adorez Allah et écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et celui qui m'écroit à l'un des messagers est similaire à celui qui a m'écru en tous les autres, tous étant envoyés par Allah avec le même message. Et voici une preuve de plus de la mécréance des juifs et des chrétiens et de tous ceux qui renient, ne serait-ce qu'un prophète. Les juifs ont m'écru en Jésus et Mohammed, et les chrétiens ont m'écru en Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah dit à ce sujet, selon les sens en français, ceux qui ne croient pas en Allah et ses messagers et qui veulent faire une distinction entre Allah et ses messagers et qui disent nous croyons en certains d'entre eux et mécroyons en d'autres et qui veulent prendre un chemin intermédiaire, ceux-là sont les vrais mécréants et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Ceux-là sont les vrais mécréants. Et Allah dit, selon les sens en français, le peuple de Noé a démenti les messagers. Messager au pluriel. Or, seulement un messager leur a été envoyé, car le fait de démentir un seul messager revient à démentir l'ensemble de ceux qu'Allah a envoyés. Et le prophète a dit, comme ceci a été rapporté dans l'Authentique de Moslim, par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, il n'y a pas une personne de cette communauté qui entend parler de moi, qu'il soit juif ou chrétien, puis qui meurt sans croire en moi sans qu'il ne fasse partie des gens de l'enfer par Allah ô toi qui entends tous ces versets ainsi que ce hadith je te demande par celui qui t'a honoré par cette religion qu'est l'islam celui qui a dit son nom l'essence celui qu'Allah veut guider il lui ouvre sa poitrine à l'islam celui qui t'a favorisé par rapport à beaucoup de ses créatures est-ce que ces versets et ce hadith laissent la place au doute concernant la mécrance des juifs et des chrétiens il n'y a aucune divergence à ce sujet, comme l'a rapporté Ibn Hazm dans son livre Maratibul Ijma', en disant Ils, c'est-à-dire les savants, sont unanimes sur le fait de nommer les juifs et les chrétiens mécréants. Et celui qui renie le consensus formel devient mécréant, comme l'ont dit les savants. Nous voici enfin arrivés au but principal de ce rappel faire prendre conscience aux musulmans qui entendront cet enregistrement que celui qui dit que les juifs et les chrétiens ne sont pas mécréants, tombe lui-même dans la mécréance. L'affaire est donc très sérieuse et cette parole très grave, c'est de l'apostasie qui fait sortir de la religion. Celui qui dit cela, malgré les textes et le consensus, ou même celui qui doute seulement de leur mécréance, devient mécréant. Est-ce que c'est les Wahhabites qui disent cela Est-ce que c'est les salafistes qui disent cela Comme veulent le faire croire ceux qui tentent d'utiliser ces appellations pour écarter, pour écarter les gens de la vérité. Voici donc ce que l'Imam Nawawi, mort en 676 de l'Égypte, dit dans son livre ⁇ al-Talibin Talibin ⁇ Quiconque ne rend pas mécréant, celui qui prend pour religion autre que l'islam, à l'exemple des chrétiens, ou qui doute de leur mécréance, ou qu'il dit que leur voix est authentique, est mécréant, même s'il montre avec cela qu'il est musulman et qu'il croit en l'islam. Voilà le jugement, selon l'un des grands érudits musulmans ainsi que d'autres savants de l'islam, concernant celui qui dit que les juifs, les chrétiens ou tout adepte d'une autre religion que l'islam n'est pas mécréant, ou qui doutent seulement de leur mécréance ou qui dit que leur voie est correcte, à l'exemple de ceux qui disent que toutes les voies mènent à Dieu, chacun adore Dieu comme bon lui semble, celui-là apostasie de l'islam et devient mécréant. Je vous pose la question. Où sont ces gens-là par rapport à la parole d'Allah, selon les sens en français Certes, la religion auprès d'Allah est l'islam. Où sont-ils par rapport à sa parole Celui qui désire une autre religion que l'islam, alors ceci ne sera pas accepté de lui et il sera dans l'au-delà parmi les pardons. Et de sa parole, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'accrée pour vous l'islam comme religion. Où sont-ils par rapport à leur témoignage que la ilaha illallah, qu'il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration excepté Allah Ce témoignage qui est composé de deux piliers, une négation et une affirmation. La négation, le rejet, le désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, qu'il s'agisse même d'un prophète envoyé ou d'un ange rapproché. Et le deuxième pilier, l'affirmation de l'adoration pour Allah, seul, sans associé. Et où sont-ils par rapport à leur témoignage que Mohammed est le messager d'Allah Témoignage qui implique de le croire dans tout ce qu'il a dit et de n'adorer Allah que parce qu'il a légiféré. Où sont-ils par rapport à la parole d'Allah selon les sens en français Dis, c'est-à-dire dis au Muhammad. dis au oh vous les gens, je suis certes le messager d'Allah envoyé à vous tous. Envoyé à vous tous, juifs, chrétiens, ainsi qu'à tous. Et de sa parole, Ô gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, notre messager vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre, et passant sur bien d'autres choses, une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Ceci, chers musulmans, nous emmène à un point fondamental qui est qu'Allah a appelé les juifs et les chrétiens à devenir musulmans, à croire en son dernier messager et son dernier livre révélé, le Coran. Il n'a pas approuvé leur religion, mais plutôt l'a rendue caduque, et il leur a exposé les preuves claires et des arguments irréfutables concernant la véracité de son prophète Mohammed. Et il a ordonné son prophète de se désavouer d'eux et de leur religion. Il dit, selon l'essence, dit, c'est-à-dire dit au messager d'Allah, ô oh, vous les mécréants. Je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore, et je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous, votre religion, c'est-à-dire la à mécréance, et à moi, ma religion, c'est-à-dire l'islam, le monothéisme pur. Et Allah lui a ordonné de les appeler à l'islam. Dis aux gens du livre, juifs et chrétiens, venez à une parole commune entre vous et nous, que nous n'adorions qu'Allah seul. Sans rien lui associer, et que nous ne prenons pas les uns les autres comme seigneurs en dehors d'Allah. Puis s'il tourne le dos, dites soyez témoins que nous, nous sommes musulmans. Et la vie de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, contient beaucoup de récits où il appelle les mécréants, quelle que soit leur religion, à rentrer dans l'islam. Ô toi qui prétends que les juifs et les chrétiens ne sont pas mécréants, tu es en réalité, par la voie à laquelle tu appelles, en train de tromper ces pauvres gens en leur faisant croire qu'ils sont sur un droit chemin, qu'ils sont des croyants, qu'ils sont nos frères, que leur religion provient d'Abraham. Pire que cela, tu affilies ce mensonge à la religion de l'islam et tu argumentes avec des versets en les interprétant d'une façon erronée. Et Allah dit dans la sourate des hypocrites, son naissance en français, « Mais les hypocrites ne comprennent pas. Voici une caractéristique de plus des hypocrites. » Ils ne comprennent pas et interprètent les textes religieux d'une façon erronée et selon ce qui est en conformité avec leur égarement. Nous leur disons ⁇ Par Allah, nous sommes plus miséricordieux que vous envers eux, par notre véracité, en leur exposant la vérité, même si celle-ci est amère pour eux, en leur disant ⁇ Vous êtes mécréants, et si vous ne rentrez pas dans l'islam, vous serez dans l'au-delà parmi les perdants. ⁇ Les appelant par cela à leur salut, plutôt qu'en leur mentant, leur faisant croire qu'ils sont des croyants. Et d'ailleurs, eux, les juifs et les chrétiens, que disent-ils au sujet des musulmans Et que disent-ils les uns des autres Considèrent-ils les autres comme des gens bien guidés qui auront le salut après la mort ou pour des gens égarés dont l'enfer est la destinée Je vous épargne les textes contenus dans un livre de référence chez les juifs, le Talmud, concernant les non-juifs, et je me contenterai plutôt de citer les versets du Coran à ce sujet. Et Allah dit, selon la traduction des sens en français, « Et ils ont dit, nul n'entrera au paradis hormis les Juifs et les Chrétiens. Voici leurs faux espoirs, réponds leur donnez vos preuves, si vous êtes véridiques. » Et dans un autre verset, Allah nous a informés qu'ils se jugent égarés les uns des autres. Il dit, selon les sens, « Et les Juifs ont dit, les Chrétiens ne tiennent sur rien. Et les Chrétiens ont dit, les Juifs ne tiennent sur rien, c'est-à-dire qu'ils ne suivent pas, selon eux, la vraie religion. Voilà ce qu'ils pensent des musulmans et ce qu'ils pensent les uns des autres n'est donc pas de gêne, chers musulmans, à affirmer clairement qu'ils sont égarés alors qu'eux-mêmes ne se gênent pas de le faire nous concernant. Et dans un autre verset, Allah dit selon le sens en français Et ils ont dit Soyez juifs ou chrétiens, vous serez bien guidés. Réponds-leur Nous suivons la religion d'Abraham pur monothéiste et qui n'était pas du nombre des associateurs. Ce verset, ainsi que celui dans lequel Allah dit, Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était purement monothéiste et il n'était pas du nombre des associateurs. Il y a dans ces deux versets une réfutation divine de cet appel à la mécréance, l'appel à unifier les trois religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, en appelant cela el ou la religion abrahamique, ou l'unification abrahamique, plusieurs appellations qui désignent le même égarement. Certains projettent même de construire sur une même esplanade une mosquée, une synagogue et une église. Une synagogue dans laquelle on m'écroît au dernier livre révélé et on accuse le dernier prophète d'être un charlatan, un égaré. Une église dans laquelle il est dit une parole concernant laquelle peu s'en faut. Que les cieux ne s'entr'ouvrent, que la terre ne se fende et que, le mon et que les montagnes ne s'écroulent. Et Allah dit dans le Coran, son essence en français, ⁇ Et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué à un enfant, vous avancez certes là une chose abominable, peu s'en faut que les cieux ne s'entr'ouvrent, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent. ⁇ du fait qu'ils ont attribué un enfant au Tout Miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au Tout Miséricordieux d'avoir un enfant. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du Tout Miséricordieux en serviteur. Il les a certes dénombrés et bien comptés. Et au jour de la résurrection, chacun d'entre eux se rendra seul auprès de lui. Voilà les conséquences néfastes de cet appel anti-islamique. Certains d'entre eux sont même allés jusqu'à vouloir que la Torah. La Bible et le Coran soient imprimés dans un même livre. Et c'est d'Allah que nous implorons le secours. Et tout cela, chers musulmans, se fait étape par étape. Tout d'abord, ils appellent à enlever la croyance de l'alliance et le désaveu, qui est d'aimer les musulmans et d'être leurs alliés, et de détester les associateurs et de se désavouer d'eux, ainsi que de leur associationnisme. Et ils appellent au dialogue avec les autres religions, à se rapprocher les uns des autres en trouvant des points communs et en occultant les points de désaccord jusqu'à que les plus égarés d'entre eux appellent à ne pas les considérer mécréants et les considérer comme nos frères, même s'il faut pour cela interpréter des versets du Coran de façon erronée. Et pour les pires d'entre eux, appellent à une nouvelle voie qui réunirait le judaïsme, le christianisme et l'islam qui serait nommé « el en réalité, cet appel récent de certaines organisations, de certaines fondations, de certaines associations ou certaines prétendues autorités religieuses islamiques ou encore certaines organisations religieuses juives et chrétiennes n'est en réalité pas nouveau. Les ont précédés dans cela les francs-maçons, Jameluddin El Afrani et son élève Mohamed Abdo, vers la fin du 19e siècle, ainsi que d'autres, et eux-mêmes précédés dans cet appel par des mécréants au temps même de la prophétie. Allah dit dans le Coran, son essence en français, beaucoup de juifs et de chrétiens aimeraient pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru par jalousie de leur part, après que la vérité leur soit parvenue, pardonnée et oubliée jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son commandement. Allah est certes capable de toute chose. » Et Allah dit dans un autre verset, son essence en français, ils aimeraient que vous mécroyiez comme ils ont mécru, afin que vous soyez pareils. Voilà, chers musulmans, ce qu'ils désirent. Que vous apostasiez de votre religion. Rappelez-vous la parole de l'imam al-Nawawi qui dit Quiconque ne rend pas mécréant, celui qui prend pour religion autre que l'islam, ou qui doute de leur mécréance, ou qui dit que leur voix est authentique, est mécréant. Prends garde, chers musulmans, à cet appel maçonnique. Celui qui y répond sera mécréant mais plutôt dit, je suis sur la religion d'Abraham, le pur monothéiste, et je ne suis pas du nombre des associateurs. Je conclue, après avoir exposé la réalité sur le statut des juifs, des chrétiens, ainsi que tout partisan d'une religion autre que l'islam, en disant que, les rendre mécréants ne justifie en aucun cas de commettre une quelconque injustice à leur égard, a fortiori de faire couler le sang des innocents d'une âme sacrée l'une des ruses de ceux qui appellent à unifier les religions consiste à vouloir faire croire que juger des juifs et des chrétiens mécréants est le discours de certains groupes sectaires et égarés tels que les Khawarij, Daesh, Al-Qaïda et d'autres. Ils veulent par cette ruse plus facilement atteindre leur objectif, se faisant passer pour des musulmans modérés et compatissants en proposant une alternative qui est de considérer des juifs et des chrétiens croyants, alors que ceci est un autre égarement bien pire, un appel à la mécréance comme nous venons de le voir. Ô vous qui appelez à cet égarement, nous vous disons, nous nous désavouons de ces groupes égarés terroristes, ainsi que de vous. Eux sont des extrémistes et vous, vous êtes des laxistes. Et la meilleure des voies est celle du juste milieu. Et nous nous désavouons de toute personne qui n'agrée pas à Allah comme Seigneur l'islam avec tous ses principes comme religion et Mohammed comme prophète, et nous vous disons, notre désaveu ne nous poussera jamais à l'injustice envers quiconque, aussi infime soit-elle, et notre voix dans cela est la voix à laquelle Allah appelle son messager, et Allah dit dans le Coran, son essence en français, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle au chemin de ton Seigneur, et discute avec eux de la meilleure façon, car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son chemin, et c'est celui qui connaît le mieux des bien guidés. Et il dit, son essence en français Que l'inimitié pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez juste, ceci est plus proche de la piété, et craignez Allah. Certes, Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et ma dernière parole est Alhamdulillahi Rabbil إن السفينة لا تجري على لا تجري على اليبس, لا تجري على اليبس, لا تجري على اليبس لا أنا لست صوفيا أطوف بقبة أنا